Je dors! Arrête! Mais laissez la porte tranquille! Pas la tête! Shidoshi Tanaka, j'ai besoin de vous. Je sors de ma retraite. Entraînez-moi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Coach, je ne serai jamais prêt pour Tokyo 2020. Je ne dors plus, ça fait 15 ans. Je veux cette médaille d'or, coach. Ma famille ne dort plus. Avant, je ronflais, coach. Maintenant, je ne ronfle plus. Entraînez-moi. T'es qui déjà? Qui es-tu? Je suis Pascal Gentil. Pascal Gentil, change de nom de famille. Change de nom de famille parce que t'es pas quelqu'un de gentil. Quelqu'un de gentil, on vient pas déranger quelqu'un qui vient en vacances en Martinique, hein, et qui essaie de retrouver le sommeil. Je suis en décalage. Là, il est midi. Mais tu crois qu'il est quelle heure dans ma tête? Tu crois qu'il est quelle heure, hein? Il est 2h du matin. Je ne peux pas aller en boîte. Quand je vais là-bas, je dors. D'accord? Je vais aller au Sunset. T'es déjà parti au Sunset? Non. T'es déjà parti au Skydream? Non. J'ai envie de zouker les planètes martiniquaises, hein. Et là, tu m'empêches. Tu m'empêches de pouvoir zouker. Et de toute façon, je peux pas te coacher, hein. J'ai pas de casquette. Casquette? Pascal, comment tu vas? Ça va, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de faire mon business. Coach, je mets une casquette. Je suis là, spécial pour toi. Fais-moi pour mon pote Gary. Weekend One. Elle te va à Marseille. On se voit à ton retour. Coach, vous avez la casquette. On se voit dans 5 minutes sur la plage. J'ai compris, c'est un complot. C'est ça, ça c'est les béquets, ça c'est sûr. C'est quoi ta discipline? Le taekwondo! Ça sert à quoi? Ah! À mettre KO! Mais surtout, c'est un art de vivre, coach! Et t'as le droit de frapper avec quoi? Le coude, doigt dans l'œil, t'as le droit de mordre, péter sur les gens? Avec les pieds, coach! Frappe-moi au visage avec ton pied! Mais coach! Mais frappe-moi! T'as quel âge? 46 ans, coach! 46 ans, multiplié par 3. Tu dois être en gériatrie aujourd'hui. Quelqu'un qui est en gériatrie ne peut pas me faire mal! Donc frappe quand t'étais jeune. Souviens-toi quand t'étais jeune. Allez, en 1970. Allez, frappe. Vas-y, allez, mais on y va? Je vais vous blesser. Vas-y, je te dis. Allez, frappe! Allez. Ça va, coach? Ça va, ça va. Bon, tu vas frapper quelqu'un d'autre parce que t'es encore jeune un peu. Hein. De toute façon, t'es noir. Nous, on vieillit bien. En fait, t'as 46 ans, moi 26. En tout cas, c'est la joue qui le dit. Là, tu vas frapper quelqu'un. Oui, coach. Bon, tu vois comment t'as frappé ma joue? Oui, coach. Moi, je suis un être vivant. Le bambou, c'est un être mort-vivant. Il n'y a que les morts qui sont durs comme ça. Donc, tu peux y aller, n'aie pas peur. Ah! Plus fort. Ah! Plus fort. Ah! Viens, viens me voir, viens me voir. Viens. Donc, ça c'est frappé fort. Quand t'as frappé ma joue, t'as frappé comme si je te devais de l'argent. Donc parce que lui tu dois pas l'argent, frappe-le. De toute façon, quel JO tu vas faire? T'es un perdant, Pascal Gentil. Pascal perdant. Pépé on va t'appeler. Pépé, tu es un pépé. Pascal perdant. Coach, hein? Oui. Vous voulez que je frappe? Frappe. Comme ça, hein? Comme ça, ah, vas-y. Comme ça. T'as mal là? Oui, coach. Voilà, un partout. J'ai mal, t'as mal. On peut continuer l'entraînement. Bon, je me souviens que ta marque de fabrique, hein, c'est ça que tu m'as dit, c'était le grand écart. Oui. Tu sais toujours faire le grand écart? Non, coach. Comme quelqu'un qui a 80 ans ne peut plus faire. Alors, avec les deux véhicules ici, je vais écarteler comme dans les années Moyen-Âge. Comme ça, dès que ça fait pas, là, tu pourras refaire. Écarte-les. Oui, écarte-les. Faut que tu attendes pas. Dès que ça fait pas, tu me dis, j'arrête. Ok? Vous allez entendre maintenant. Ah, ça fait du bien? Ah, coach! Bon, on continue à écarter. Ah! Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu.